Rien ne vaut cette vue. Alors, qu'est-ce qui vous plaît ici ? Le silence. Je pourrais m'y habituer. Houston, à première vue, le panneau de communication a l'air d'être mort. Suis-je autorisé à basculer sur l'auxiliaire? Docteur, c'est vous l'experte. À vous de voir. Houston, j'ai un mauvais pressentiment sur cette mission. Veuillez développer. J'ai eu ce même pressentiment pour Mardi Gras en 1987. Vous marquez un point. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le centre de contrôle n'a jamais entendu l'histoire de Mardi Gras. Veuillez poursuivre. Alors, c'est le premier jour et je descends laborieusement Bourbon Street pour retrouver la sœur d'un de mes amis. Les rues sont bondées et je me dis que je vais jamais réussir à retrouver cette fille. Je procède au transfert. Et là, tout à coup, je lève les yeux. Et elle est là. Je suis sur le point de l'appeler. Et je vois qu'elle tient la main d'un gars aux cheveux longs, pas très grand, habillé comme un surfeur. Et là, je réalise que ce gars n'est pas un gars. Qu'en fait, ma petite amie tient la main d'une... USS, ici Houston. Bush, ici Houston. Explorer, ici Houston. Allez-y, Houston. Mission annulée. Je répète, mission annulée. Amorcer le décrochage d'urgence de Hubble. Entamer la procédure de rentrée. ISS, procéder à l'évacuation d'urgence. Bien reçu, Houston. C'est en cours. Mars, retour immédiat sur Explorer. Je répète, retour immédiat sur Explorer. Bien reçu. Explorer, préparez le SAS. SAS déverrouillé et opérationnel. Houston, développé. Les débris du satellite touché par le missile ont entraîné une réaction en chaîne, touchant d'autres satellites et créant de nouveaux débris qui évoluent à votre altitude à la vitesse d'une balle de revolver. Bien reçu? Bien reçu. Laissez tomber, Dr. Stone. Je peux pas. Le panneau est en cours d'initialisation. Je ne vais pas le répéter. Une seconde. Pas dans une seconde, maintenant. Laissez tomber. C'est un ordre. Ok, désolé. Désolé, j'ai fini. Kowalski, amorcez le décrochage d'urgence de Hubble. D'accord. Sheriff, allons-y. Bien reçu, Matt. Houston, du nouveau? Nous avons une réaction en chaîne incontrôlable. Nous avons la confirmation que ce sont les conséquences d'une manœuvre des Russes visant à détruire un de leurs satellites. Ils détruisent leur propre satellite? Ils sont libres d'en disposer. Sûrement un satellite espion qui ne fonctionnait plus. C'est un amas de poussière maintenant. Explorer, paraît à dégager HST. Les arrimages dans 3, 2, 1. Explorer, nous avons de nouvelles infos. L'état de la situation, Houston? C'est pas bon. La plupart de nos systèmes sont HS. La réaction en chaîne est hors contrôle et le nuage de débris augmente sans cesse. De nombreux satellites sont HS et ce n'est qu'un début. Définissez de nombreux satellites? La plupart d'entre eux. Les systèmes de télécommunication sont morts. Attendez-vous à une coupure imminente de toute communication. Kowalski, on a un visuel des débris à 9h. La moitié de l'Amérique du Nord vient de perdre son Facebook. Explorer, je répète, attendez-vous à une coupure imminente de toute communication. Bien reçu, Houston. Explorer, ici Kowalski, je confirme un contact visuel sur les débris d'un satellite de télécommunication. Je répète, Docteur Stone demande un déplacement rapide. Vous y allez. Houston, ici Explorer, Docteur Stone demande un déplacement rapide vers la navette. Explorer, vous me recevez? Explorer, autorisation de récupérer le Dr. Stone. Accordé, Kowalski. Houston, ici Explorer, répondez. Ok. On a perdu Houston. Ah. On a perdu Houston. Détachez-vous. Allez, on peut partir. Ok. Vous avez besoin d'aide? Non, ne nous attendez pas. Un homme est touché. Un homme est touché. Explorer est touché. Concentrez-vous sur ma voix, je perds le contact visuel. Dans quelques secondes, je ne pourrai plus vous repérer. Vous devez vous détacher, je ne vous vois plus maintenant. Détachez-vous. Houston, j'ai perdu le contact visuel avec le Dr. Stone. Houston, j'ai plus de contact visuel avec le Dr. Stone.